Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bienvenue sur Immersive TV. On se retrouve pour le deuxième épisode sur Arc Aberration, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la vidéo, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Nous avons un nouveau partenaire pour la chaîne, il s'agit de Oli. Certains d'entre vous connaissent, peut-être d'autres non. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Oli, c'est une marque qui propose des boissons énergisantes et du thé glacé. Le principe est très simple, vous avez une poudre que vous mélangez avec de l'eau et ça vous donne une boisson, que ce soit une boisson énergisante ou du thé glacé. Vous avez plein de goûts différents, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et moi qui n'étais pas forcément consommateur de boissons énergisantes, un peu plus de thé glacé parce que j'aime bien ça, mais j'aime pas ceux du commerce parce qu'ils sont trop sucrés. Là, c'est pas trop le cas. En tout cas, il n'y a pas de sucre, donc ça m'a convenu par rapport à ça. Et pour ceux qui aiment bien ça, franchement, vous avez du choix. Et surtout, en termes de qualité, ça m'a paru très bon puisque j'ai regardé les produits qui sont à l'intérieur et j'ai trouvé ça très correct. Autrement, je vous ne l'aurais pas proposé, évidemment. Je ne vais pas vous proposer n'importe quoi. Donc ce partenariat, son but, il est simple. Vous avez un code de promo dans la description de la vidéo avec le code immersive. Donc vous avez 10% de remise sur votre commande. Et avec le code immersive5, vous avez 5€ de remise sur votre première commande. Si par hasard vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de cette vidéo. Sachez que c'est une bonne chose pour la chaîne. Voilà. Donc encore une fois, si j'avais jugé que les produits ne me plaisaient pas, qu'ils n'étaient pas corrects vis-à-vis de plein de critères que je peux avoir, je ne vous l'aurais pas proposé. Donc allez-y, au moins regardez. Et puis, encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci à Oli de leur confiance, de nous faire confiance. Et puis, on verra où ça nous mènera. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'épisode. Salut Vixi, bonjour. Salut. Tu ranges les bulldogs ou quoi? Non. Alors, Vixi. Oui. Hier, on a fait un stream. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés d'ailleurs, c'était très très cool. Et j'ai tamé un peu des créatures, Vixi. Ah ouais. Donc, déjà, j'ai ça. Alors bon, il est pas super niveau, hein, mais bon. Ça ouais, a le mérite d'être bon. Un gecko, quoi, tu vois, donc voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé un ravageur un peu sympa, une femelle avec 36, je crois, en dégâts. Non, attendez, c'était pas le ravageur. 38, je crois, 39, 38. Ouais, 38. Bref, donc femelle ravageur, alors je sais plus quel niveau on la tame. Elle avait un niveau correct, quoi. Ouais. Ensuite, on a récupéré... Ah, regarde, Vixi. J'ai fait ça, évidemment, un deuxième petit gecko. Voilà, c'est une femelle, l'autre, je crois que c'est un mâle. Il est joli, lui, il a des couleurs que j'aime bien. Oh. Mais bon, il était bas niveau aussi. Hein. J'ai pas pu m'enfoncer plus dans la grotte. On y retournera, bien sûr, mais... Ouais. Mais bref, voilà. Après, j'ai récupéré ça. Ici. Hop, tac, je vais te montrer. T'as un petit ours. Regarde ça. Il avait pas un gros niveau. Il était 80 quelque chose, je crois. 90. Mais super pratique. Il va falloir qu'on trouve des ours de haut niveau. Parce que c'est vraiment très 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 pratique. Et regarde, ça c'est le hop. Ah bah oui, évidemment. Ça c'est le beau bébé, ça. C'est une femelle spino, je crois qu'elle a 36 ou 38 en dégâts, je crois. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, il va falloir qu'on trouve un mâle. Et il faut qu'on ramasse, il faut que tu m'y fasses penser si j'oublie. Des perles, ou si tu croises des perles, tu sais, dans la rivière ou quoi, il faut qu'on en ramasse. Pour qu'on puisse lui faire la selle. Voilà Vixi. C'est pas dit que je m'en souvienne, hein. Tiens, dis-moi, c'est quoi le goût que tu préfères, toi, comme boisson chez Oli? Toi, t'aimes pas ce qu'il y a avec l'hibiscus, alors... mais t'aimes bien tout ce qu'il y a isti à base de pêche. C'est ça. Moi, j'aime bien tous les thés glacés. Ouais. Je suis pas trop fan des boissons énergétiques. Ce qu'il y a de cool, c'est que tu peux te faire j'adore ton... J'adore les thés glacés. Ben, c'est ça. Tu peux, tu sais, normalement, ils te conseillent de mettre, je sais plus, c'est tant de grammes de poudre pour faire 500 ml de boisson. Ah mais en ouais, fait, tu peux ça, doser tu comme gères tu veux. Comme tu veux, à ta sauce. Et ouais, et ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est cool. Bon, on va se balader un petit peu. Attends, je crois que j'ai repéré en bas, il y avait des ravageurs. Je sais pas où ils sont passés. Ah, là-bas, je le vois, je crois, non? Attendez, c'était pas un ravageur que... Quoi? Ah non, c'est un Ovis, ok. Mais j'ai vu des ravageurs en bas, il y avait un petit pack, donc dans le tas, il y a peut-être un truc un peu haut level. Après, ils sont peut-être morts hein, depuis le temps que je les ai vus, donc on va voir. J'ai fait une zipline aussi, Vixi, je sais pas si t'as vu, qui mène là-haut. Oh non, j'ai rien vu, moi, j'ai rien vu. Et ouais, et du coup, après, tu peux accéder aux cailloux là-haut, et il y a un peu de métal. Et il y a un endroit qui peut être sympa pour installer une base, il faudra que je te montre. Tu sais ce que je me dis? Non. Il faudrait peut-être qu'on fasse un carqui. Oh, il y a un spino là-bas. Ah ouais? Ouais, au niveau 50. Bah ouais, parce que en fait on va avoir besoin du carquinos pour farmer de la... Pour farmer de la pierre, pour farmer même du bois. Tu vois? Oh, Sarco 120. Il est quel level lui? Ah, il est 24. Raptor 24. Ouais, je l'ai vu là, le Sarco 120. Là, il y a un novice. Je l'ai vu.
Il y a un Spino au fond, niveau 15. Ça me rappelle des souvenirs, tiens, c'est level. Ah, bah il y a un mouton là. Ouais. Ah, il y a une. Oh, attention. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un crocodile. Il est radié. Il est radié. Ah non, il est mort. Il est level 15. Regarde, il y a une boîte ici, Vixie. Je sais pas si tu l'as prise déjà. Moi, je l'ai prise. Je sais pas. Ah, bah non. Faudrait qu'on trouve des gemmes bleues aussi, mais bon, les gemmes bleues, c'est en zone bleue. Oh, ravageur là, derrière. Je pense que c'est ce que j'ai vu. 95, femelle 150, Vixie, voilà. Waouh. Alors, on va aller. Tiens, c'est elle, je vais la. Ouais, regarde, tu te mets là, là. Enfin, moi, je me mets là. Non, c'est bon, regarde, je l'ai Bola. Lui, on va le tuer. Je l'ai Bola, ok, j'arrive. Voilà, et puis on va le darter. Ah, femelle ouais. 150, Vixie. Ouais, mais t'aurais pu la ramener un peu plus près de moi, quand même. Hein. Bah, t'es où? Bah, là-haut. Où ça, là-haut? Bah, là-haut. Ah, mais t'es giga loin. Bah, ouais, je reste là, là, ça fait des trucs, ça. Mais pourquoi tu... Ah, tu veux des petites graines? Bah, ouais. C'est pas les graines pour tamer les plus lumineux, ça? Si. Ah, ouais, d'accord, elle perd pas le nord, Vixie, hein. Aïe. Attends, je te le ramène. Vixie. Ah, je l'ai pas eu. Vas-y, je peux tanker. Bah ouais, 150. Mais là, tu me fais trop m'approcher, là. Attends, j'ai une idée. Ça va. Regarde. Attention. Paf. Ni. Ah bah non, mais je me vois plus. Ni. Ah ouais, parce que c'est-à-dire que moi, l'écran, il est... Mon écran est rempli de sang. C'est une cata. J'imagine. Ah, ça y est, elle a jeté. Elle a jeté où? Elle a jeté là. C'est bon, il fait dodo là? Ah, ah voilà. C'est bien ça. Et du coup, le moutmout, il est où le moutmout qu'on a croisé juste avant? Ne me dis pas qu'il est mort. Mais c'était pas un vrai moutmout. Comment ça, c'était pas... Oh, il y a un ravageur là, fais gaffe. Niveau 60. C'était un novice, c'était pas... Ah, Vixie. Quoi? Ah, je fais n'importe quoi, Vixie. C'est bon. Bah, je te laisse te débrouiller. Hein. Ah, mais il y en a un autre là-bas, il est quel level, lui? 135. 145. Hein? Oui, 145, c'est un mâle en plus. Un ravageur? Oui. En face. Mais c'est pas possible. Bah, je te dis que c'est possible. Tu sais que j'en ai cherché hier pendant 3 ou 4 heures, hein. Ouais, mais j'étais pas là. Ça me rend fou. Où ça, en face? Bah, avec en le carnot là-bas? Eh ouais. Ok. Attends, je lui fais mon plus beau... Oh pétard, ils sont 3 quand même, hein. Ils sont 3, j'en ai vu que 2. Tu penses que je le touche de là? J'imagine que c'est lui. Hi. Oh, touché. Tu l'as eu. Ah, ça, t'as un gros loot. Je les ai tous aggro, Vixie. T'es avec moi ou pas? Ah, pas du tout. Non. Waouh. Ah, je me sens... Je me sens seul. Ok. Oh, j'ai failli l'avoir. Lui, il est mort. L'autre, il est level 25. Oh, tu lui as éclaté la tronche. Vas-y, une bolasse. Rapproche-toi. Oui. J'arrive. Ah, j'ai pas pu. J'ai paniqué. Sinon, tu peux descendre aussi, hein. Tu le vois de là-bas? Ouais, ah je oui, le non. Vois, mais il est pile derrière l'arbre. Toi, tu veux absolument faire ton... D'accord. Ok. Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Oh, il y a un basilisque derrière toi. Hein? Non, pas par là. Il y va en plus, il y va. Non. Oh, boulet, quoi. Il est quel niveau? Ah, oh, il est niveau 95 en plus. Ça va le faire, Vixie. Oh non. Les champignons hallucinogènes. Ok, j'arrive. Rien ne va plus. Oh, attends. Attends, je le ramène. Oh, la torpeur que j'ai pris. C'est interdit de prendre autant de torpeur d'un coup. Je vais m'évanouir. Ah, j'ai mangé des... C'est normal que je vais m'évanouir. J'ai mangé des champignons qui font faire... Oh, Vixie. J'arrive pas à choper. Tout repose sur toi, Vixie. J'ai mangé les mauvais champignons. C'était les champis qui étaient prévus pour tamer le... Mais non, c'était là.
Tu fais dodo là ? Ah ouais, je dors bien. Attends, je vais me réveiller. C'est les champis que j'avais utilisé pour tamer le... Comment ? Je sais pas où il est parti. Le gecko. C'est lui ? Oui, c'est lui. Il est où le basilic ? Fais gaffe, hein. Oh purée. Il dort ou pas ? Non, pas encore. Ok, vu. Va bien jouer, voilà. Bien joué, Vixie. En plein milieu, rien ne nous surprendra. Arrête de me pousser, toi. Vas-y, je te laisse. Est-ce que c'est quand même problématique qu'il y ait un basilisque qui se promène dans le coin, quoi. Oh, Spino irradié, 130 mâles, Vixie. Ouais, on va peut-être pas s'éparpiller non plus, hein. Bah si, en fait, je vais complètement m'éparpiller. Parce qu'une fois qu'on aura tamé le Spino 130 mâle, on a la femelle, on a un couple. Tu sais ce que ça veut dire. Ok, bon, je vais le tenter, Vixie. À la dégonfle. Attention, parce que les Spino, c'est très très dangereux. Ils sont vénères, hein. Les Spino ici, ils font très très mal. Tu me diras, c'est des Spino, c'est normal. Je suis un peu plus loin. C'est lui, ah c'est lui à mon avis. Oula, 45. Ouyouyouyou. Au secours. Attends, c'est du génie. Attends, il est bloqué là ? C'est du génie, je crois. Je peux lui tirer dessus ou pas ? Attends. Non, il s'est débloqué, non ? Ouais. Il s'est débloqué. Attends, parce que là, il va venir. Et là, il se bloque là. Ah. Ah non. Il est pas bête. Il a compris. Il est bloqué là. Il a compris qu'il pouvait couper l'arbre. Attends. Vixi, je vois plus rien, il fait nuit. Oui, il fait nuit, oui, je confirme. Ah. Oh bah, il manquait plus que ça. En vrai, je le tank. Vas-y. On le. Hein ? J'arrive. On le full si dart. Si tu pouvais le rapprocher, ça pourrait être cool, hein. Eh, mais si je le rapproche, il y a un monde où il s'enfuit et il mange les trucs après. Ah ouais. Vas-y. Oh, il y a des ravageurs derrière. Mais. J'ai de la D5 à donf là. Attention, il y a les ravageurs qui te viennent dessus, je crois. J'ai un peu mal, Vixie. Là, je sais pas, il s'est énervé là. Il est passé en mode fâché là. Aïe. Je vais pas te mentir qu'il me fait mal. Mais j'arrive pas à lui. Ah ! Au secours ! Sors le pompe. Pompez l'up. Je peux pas. Pourquoi ? Parce que j'ai trois ravageurs au cucu là. Ouais, mais justement, tu les aux pompes, les ravageurs. Ils sont sur le spino. Ah, en vrai, on pourrait le croquer comme ils font les ravageurs là. Attends, mais ils sont en train de le fracasser par contre. Je vois rien. Oh, ouf. Il va mourir, le spino va mourir. Oh, oui. Oh, bien joué. Il faut qu'il mange. Mange, petit spinosaure. Il fuit là, non ? Je sais pas. Il va vers des ravageurs encore, mais j'en peux plus. Oh, il est 110. J'ai mal. Il est mort. Vixie, the Spino is dead. Ah bah, et si tu m'aides pas, je vais mourir aussi. Ah bah ouais, mais là, je sais même pas où t'es, quoi. Je suis sous la... Oh, secours. Ah, c'est là. Je cherchais. Ah... Je vais mourir. Il faut les tuer. Vas-y. Je suis pas bien. Ah. Waouh. Il me reste 600 PV. Ouh. C'est bien. Bon bah Vixie, je t'annonce qu'on ne t'aimera pas de Spino dans cet épisode. Et non. En tout cas pas celui-là. Dans le prochain. Hey Vix, j'ai une idée. Si on allait vite fait en zone bleue, voir si on trouve pas des mégalosaures. Carrément. On va aller chercher des tyroliennes et on va se faire un petit chemin pour aller en zone bleue. Salut le Spino. T'es gentil, hein. La tyrolienne, c'est vraiment le meilleur truc. Avec le ravageur, c'est trop bien. Et dis donc. Hop là. Oh bah non. C'est moi qui passe devant. T'es tombé. Oh le vilain. Alors attends, j'ai fait fondre du métal.
Il y a deux rochers de métal pas loin, mais il va falloir qu'on trouve un Anki aussi, parce que ça va pas du tout cette histoire, Vixi. On va jamais s'en sortir. Hein. Yeah, Vixi, trop bien, regarde où on est. Ah, j'ai une note. Ah, où ça? Bah, je sais pas, j'ai... Ah, ah oui, elle était derrière le caillou. Elle est tellement sneaky. Ah, je peux te dire que j'ai... Parce que je suis passée dessus, hein. Sinon, bah, j'imagine, parce qu'il faut l'avoir, hein. Ouais. C'est les notes de... Je crois que ce personnage s'appelle May, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, je me demande si le DLC qu'on va avoir sur Ascended, puisqu'ils ont annoncé qu'il y aurait un DLC sur Ascended d'histoire, je me demande si le DLC d'Ascended sera pas en rapport avec May, justement. Tiens, regarde, on peut descendre par là, Vixi. Ah ouais? Ouais, on y va, c'est parti. Ok, vas-y. En route pour la zone bleue. Voilà. Wouhou, let's go! Normalement, tu peux te laisser... Ah ouais, yes. C'est bon, ça. Serpento! Bien joué. Et je crois qu'il nous manquerait un ravageur dans la troupe pour avoir le buff, tu sais, et faire beaucoup de dégâts. Claquer le saignement et tout. Je crois qu'il faut être au moins 3, il me semble. Je sais plus. Comment ça marche. On va récupérer des. Attention à ça. Oh là là là. Je vais récupérer vite fait de la gemme bleue. Les champis qui sont là, je crois que quand tu marches dessus, ça te faisait un truc bizarre. Ah! 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 J'ai tout pris. Voilà. Au secours. Fais gaffe, hein. Waouh. Ok, j'aime bleu. Ça, c'est bien, on va pouvoir faire les planeurs avec. Est-ce que je peux farmer direct? Ouais, je peux farmer direct du ravageur. Ce sera beaucoup moins dangereux, hein. Tac, tac. Mon machin, il a plus de lumière. Ouais, le mien non plus. Ok. C'est... Ça se recharge et ça va. Ça va s'activer automatiquement pour le mien normalement. Ok. Tiens, je sais pas. C'est dommage, c'est un peu le pire moment, mais. C'est tellement beau, mais. Ah là là, cette map, hein, vraiment. Mégalosaure irradié, niveau 25, femelle, droit devant. Ah ouais, tu l'as vu toi. Ouais. Ouais. Oh là, j'ai là, le radar pour les mégalosaures. Hein. J'adore! C'est fou, hein. Oh, je suis trop fan. Ah, c'est vraiment une map particulière. Bon, méfions-nous, parce qu'il y a des Rock Drake et tout ici aussi, hein. Ah là, par contre, je suis full. Nameless, je crois. Ouais, Nameless. Ça commence. Ixi. Il nous faut la lumière, hein, sinon il y a un King qui va proc après. Et on a peut-être pas envie d'affronter un King pour l'instant. Alors attends, bouge pas, attends, bouge pas. Je bouge pas. Juste, le mien il est activé. En vrai, attention Jutter. J'ai plus de flèches. Attention, il jute. Non, il faut le... Tire lui dessus. Il va te casser l'armure. Ah voilà, c'est bon. Non. Ah si, je t'assure. Est-ce que ce serait pas le moment de retourner sur... Il y a des nameless. T'as ton truc activé ou pas? Non. Ah, oh, il y a une note juste là. Des gemmes et du... ok. Et non, ouais, là il va nous falloir des... Il a pas fini de charger? Non. Et si on prenait la tyrolienne qu'il y a là, qui traverse? Bah c'est ce que... C'est pour ça que je t'ai dit là-bas. Par contre, il ne faut pas tomber, hein. Ok, on est suivi par un serpent. Il y a un mégalosaure. Attends, Vixi, bah attends. Ouais, t'es parti ou pas? Je l'entends, mais... Ah, il est 70, il est 70, laisse tomber. Ok. Waouh, faut pas tomber. Youhou! Let's go! C'est la meilleure explo. De toute façon, le fait qu'il n'y ait pas de volant, c'est trop bien, hein. Ouais. Let's go! Je crois qu'il y a un méga. Oh! Mégalosaure, c'est en éteint ça ou pas? Mégalosaure niveau 5, on n'a pas de chance. Et à côté, c'en est un aussi, non? Non, Titanoboa, ok. Oh mince, je suis tombé, t'es où? Ah, il y a un loot bleu là? Ouais, il y a un loot bleu, mais alors clairement, je ne peux pas y aller. Waouh, il est tellement. Non, mais c'est quoi ces loots? Oh non, Vixi? Oui. T'es prêt? Tu sautes? Ouais, mais non, parce que... Attends. Oh, la vache. Adieu. Oh, la vache.
Waouh. Oh, t'as tellement une chance. Il y a full... Attention, il y a full ravageur là. Je crois qu'il y a un... Ouais, il y a un mégalosaur derrière avec. Vas-y, on les tout. Ok, on a aggro le mégalosaur. Non, c'est bon, il a aggro le niveau. Ah, niveau 20, dommage. C'est terrible. Il faudrait qu'on les tue, mais bon, je le sens moyen. Vixie, regarde. Oh mon dieu, je l'avais pas vu. Oh bah non. Ah oui, niveau 5, tu pouvais pas faire pire. Ah bah non. Elle pouvait pas faire pire. Ce sera pas elle, ce sera pas elle. Oh là là, niveau 5 quoi. Attends, il a passé un niveau mon truc. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des zones aussi où si on n'a pas la combi, tu te souviens ? Oui, je me souviens. On va prendre des dégâts bien. Et je crois qu'on y va là, on est en train de s'y diriger. Ouais. Ouais, ça sent pas bon par là, Vixie, je crois. On devrait pas aller par là. Peut-être par là du coup ? On va jeter un coup d'œil ? Franchement, c'est tellement beau, toutes ces couleurs et tout quoi. Oh là là. Ah ouais, j'adore. Oh. Oh, je veux qu'on s'installe là. Ah ouais ? Mais là. Il y en a un dans l'eau là, c'est ça ? Ouais, il y a un roll rat qui est tombé. T'es pas prêt de voir le jour là, si tu veux faire ça, hein ? Ouais, je sais. C'est tellement beau ici. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Niveau 25, niveau 75. C'est un peu mieux, mais bon. C'est toujours pas ça. C'est superbe. Ils se sont gavés sur cette map, franchement. Oh, biquette. Regarde. Oh, mais c'est dingue, niveau 100. Je les vois pas. Niveau 100, ça se fait, non ? Non. Ah ouais ? Oh, ouais, Vixie, elle est malade. Vixie, elle est malade, elle va pas bien. Non, oula. Mais 100, c'est vraiment le strict minimum, quoi, donc... Non, mais d'accord, ok, j'ai compris. Tu la tues ? Mais t'as changé, Vixie ? Non. Je sens qu'il va y avoir une 150 qui va respawn. Je pense que c'est pas Vixie, ils nous l'ont changé. Chut, dites rien. Je pense que c'est pas elle, ils nous l'ont changé. C'est une autre Vixie. Oh là, oh là. Nameless. Quoi? Des gremlins, comme il dit Sticky. J'ai rallumé ma lampe. Ça c'est quoi? Non. Oh là là, mais on a pas de chance, on va pas trouver un seul mégalosaure de niveau correct. Biquette. Ouais, Biquette, ouais. Biquette, où elle est? C'est horrible. Non mais Vixie! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il nous faut du bon respawn! Où est passée ton âme de chasseuse de biquette? Il nous faut du 120 minimum! Waouh! Biquette? Biquette? Ah bah non, il n'y a pas de biquette. Hein. Il n'y a pas de biquette. Non, t'as vu une biquette toi? Non, j'ai pas vu de biquette. Vas-y, viens, on traverse là. Ah, oh, avec les... Avec les... Ouais, comme tu dis. Faut pas s'arrêter là. Hein. Aïe aïe aïe, tu l'as gros. J'ai aggro le Karki. Ouais. Oh, mégalosaur, sur moi. Ah bah oui, bah... Ah, il va... Yeah. J'arrive. En plus, je suis ralenti de ouf. Et tu vas voir que c'est le mégalosaur qu'on cherche, lui. Il a un level, je pense. Ah, il m'a chopé. Oh, j'ai pris l'espoir. Il m'a chopé. J'ai pris l'espoir, moi. Je suis pas bien, là. Tant pis. Je sais pas quels sont les champis qui permettent. Non, c'est pas ceux-là. Je peux tellement pas t'aider. Ah, j'ai pris les spores. Je vais m'évanouir. Il va tout m'arriver. T'as réussi à t'en sortir ou pas ? Il est 40. Je vais. Au secours ! Le problème, c'est que. Arc compo contre le Karki Vixie. Oh non ! Il va m'attraper aussi. Je vais mourir. Ah non! Ah si si! Aïe! J'ai déjà vécu ça dans une autre vie. Vite! Allez! Il était quel niveau du coup le Mégazor? Ouais, pas de regret. Oh non, le ravageur qui est mort! Non! C'est pas grave!
moi aussi je vais mourir hein, je pense. Contre les Karkivix, si c'est flèche. C'est tout ce que tu veux, mais c'est rien du tout. Que les balles, ça fait rien. Ok, le Karki est mort. Non, le Karki est pas mort, il m'a juste lâché en fait. Il m'a repris encore, sérieux? Je vais m'évanouir. Allez, meurs, sale bête! Ok, il est mort, il est mort. 9 secondes de poison. Dans la moutarde. Est-ce que je vais mourir, moi? Rien n'est moins sûr. Non, je vais vivre, je crois. Je vais vivre. Je vis. Oh! Waouh! Et le mégalosaure, t'as réussi à le tuer? Non. Non. Waouh, Vixi, c'est... Ah, moi, je me suis pris la... Ah, tu t'es pris la max, toi, hein? Ah ouais, j'ai tout pris, hein. C'est la map qui nous rappelle que... Non, j'allais retourner dans le poison. La map nous rappelle qu'elle est dangereuse et qu'il faut la traiter avec respect. Tout à fait. Oh non, j'ai aggro le mégalosaure. Non, pas comme ça, Jean-Michemuche. Ah. Non. Ok, il se bat avec un truc. Non, il vient sur moi. J'avance pas. Pourquoi il avance pas comme ça, mon truc? T'es fou, peut-être, hein. Y'a mon salut qui est là. Mon salut est là. Allez, vite. Oups, mais avance. Quel niveau? Oh mon dieu. Ah, l'horreur. Ah, y'a un serpent qui arrive. Vixi, c'est l'horreur. Y'a un Karki Alpha juste là. Oh là là. Oh, le bébé, il est né. Ah, je crois qu'en plus, on a tout bon. Pourquoi? Bah, ah, sur les couleurs? Ouais, sur les couleurs. Allez. Attends, mais t'arrives à voir, toi, là, comment il est, le bébé? Ah, non, là, on a c'est bon. Tout bon. C'est tellement rachétique quand c'est bébé, c'est machin. Par contre, il a des chicots, écoute-moi. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Oh, salut, Virchi, moi, je suis ravageur. Bon, mesdames et messieurs, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura tenté des trucs et bah, y a pas tout qui est passé. N'oubliez pas l'info importante, c'est le partenariat avec Oli. Voilà, je vous le rappelle, fabricant, une marque qui propose des thés glacés, des boissons énergisantes. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la description de la vidéo, ne serait-ce que pour aller voir. Et puis, en espérant, bah, déjà merci à eux de nous faire confiance, et puis en espérant que ce soit un partenariat qui dure sur le temps, parce que la marque est sympa et je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, je vous avais fait le petit topo, hein, n'oubliez pas, en début de vidéo. Du coup, Vixi, moi je retiendrai une chose de cet épisode, c'est que respecte Aberration, car elle ne te respectera pas. Ne te respecte pas. Voilà. Ça, c'est ce que je vais c'est ce dont je vais me souvenir de notre petite escapade du jour. Et le pire, c'est qu'on n'a rien vu. Mais clairement, il nous faut du nounours, il nous faut des spinos, il nous faut de la créature qui tabasse. Et surtout, il va nous falloir des mégalosaures. Ah ouais. Parce que la zone bleue, on a vu, on est des chips. Hein. Ouais, carrément. Le premier Karki qui passe, et c'est le RIP. Hein. Bref, merci, messieurs, dames. À bientôt. Salut.